ville est au Kanka. Le Kanka joue davantage. Riva! Riva! Dis-moi tout, yo. Naïb, c'est que le gars. 5, 6, voire 10 dollars le litre. Oui, oui, ça. T'as le cambo. Non, 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 pour ça, que combien parlé, oui. 1000 dollars, n'a-t-il la messe pour la mère. Ça va? Et sinon, comment ça se passe ici? Comment ta présence ici en Belgique? Ben voilà, donc depuis un bout de temps, j'étais en tournée déjà pour la promotion de mon film. Et puis j'ai eu quelques bons deals au niveau de la Belgique pour l'enregistrement de mon prochain album. Ouais. Donc ce qui fait que j'ai décidé de vraiment rester le travail complètement. Et là, il est pratiquement fini, donc voilà. On va certainement avoir l'occasion de discuter de ça bientôt. Ouais, ouais. En fait, moi je sais bien qui est Pacha Bae, mais les gens, ils ont besoin de savoir, Pacha Bae c'est qui? J'ai toujours l'habitude de dire, pour ceux qui me connaissent, ouais. Pacha Bae c'est Pacha Bae. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, maintenant je vais me présenter. Allez. Je suis artiste, musicien, comédien. J'évolue entre le Congo, enfin entre l'Afrique et l'Europe. Et actuellement, je veux vraiment plus m'étendre sur une carrière plus internationale, donc plus en Europe et aux États-Unis. Et je fais du R&B, ouais. De la pop et de l'afro-pop. Donc c'est vraiment un grand mixage quand tu regardes dans mon album. Ouais. Et au-delà de ça, je suis comédien. Donc okay. Pour ceux qui communément appelés acteurs, tu vois. Ouais. Je fais du cinéma aussi. Et je pense que les gens m'ont vu dans un film qui a quand même fait parler de lui, qui s'appelle Viva Riva. Ouais. Et là, on est en train de préparer d'autres projets très très bientôt pour cette année qui vient de commencer. Ouais. Et on aura l'occasion de pouvoir en dire un peu plus tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi l'univers musical? Ben, l'univers musical, moi je pense que c'est déjà depuis la naissance, parce que ma mère, elle chante. Ouais. Tu vois, généralement en Afrique, les mamans, c'est l'église, c'est la chanson. Si, si. Donc forcément, quand tu grandis déjà dans cet univers. Tu grandis avec une maman qui chante tout le temps. Et j'ai aimé la musique depuis mon bas âge. Alors, je me suis lancé dedans depuis que je suis vraiment tout jeune. Uh-huh. Et quand j'ai fini mes études, ouais. J'ai essayé de faire professionnellement de la musique. C'était pas facile parce que tu sais en Afrique avec. Ouais, je sais bien. Vous êtes de quelle origine en fait? Je suis congolais, ouais. D'abord de 1. Et j'ai quand même beaucoup de petits. Mixage, oui. Mais je suis kassaïen vraiment. Ah ok, ok, ouais, ok. Je suis kassaïen congolais. Ah ok. Avez-vous deux frères et sœurs? Oui, bien sûr. J'ai une très grande famille. Sont-ils aussi des artistes ou pas? Oui. J'ai trois frères qui sont artistes. Ah. Il y a un qui est artiste peintre, un qui est musicien, enfin deux autres qui sont musiciens, mais les deux autres font de la musique classique. Donc je suis le seul à être dans la musique contemporaine et moderne. Ah ok, voilà. Ok. Comment se déroule une journée de type ou... chez toi, donc Moi, la journée commence en dormant, parce ah que bon. Je travaille plus la nuit. Pacha Bae aime bien dormir, je vois. Oui, parce que je travaille beaucoup la nuit, tu vois, dans mon métier, généralement, c'est la nuit qu'on dégote les marchés, les contrats, ouais. Et tout ce que tu veux. Alors, on reste souvent tard avec des gens, on prend un pot ou quoi que ce soit, et on travaille en studio souvent la nuit. Donc, le matin, pour moi, c'est fait pour généralement dormir. Donc, je me repose le matin, et à partir de 11h, 12h, je peux débuter une journée en pleine forme. Ah, okay. Mais ça dépend, il y a des journées qu'on commence très tôt. Ah oui. Et oh, pour vos albums, je ne sais pas, donc t'as déjà fait un album ou pas encore? En fait, oui, j'ai fait deux albums déjà. Ouais. Le premier s'appelait Panique, ouais. Qui est sorti exclusivement au Congo. Ouais. Et le deuxième s'appelait Zoumé. Mmh. Il est sorti en Afrique. Il est sorti en tout cas au Congo, Brazza, au Cameroun, au Gabon et quelques pays africains. Et là, maintenant, je suis en train de préparer mon troisième. Et okay. C'est celui auquel je donnais un plus grand impact et tout, parce que je me dis que c'est important maintenant que tout le monde découvre ce que je fais comme musique. Okay. Voilà. Et vous avez déjà fait quand même des concerts?
énormément. Mmh. Énormément. En Afrique, j'ai fait énormément de concerts. Cinépolis, Maïcha Park, ouais. Albumbashi, dans l'est du pays. Et ici en Europe, j'ai plus fait des showcases. C'est plus des showcases dans des boîtes de nuit. Et certains showcases dans des endroits assez privés. Tu vois, ouais, c'est plus comme ça que je travaille ici pour l'instant. Mais on est en train de préparer énormément de choses pour pouvoir faire des concerts au grand public ici sur place en Europe. Et le prochain concert, donc pour tes fans, donc tu prépares rien? Actuellement, j'ai un concert le 31 janvier. Le 31 janvier. Halle de Schaerbeek. Ok. Nous sommes invités. Donc à partir de 20h, tout le monde est invité. C'est, de toutes les façons, vous ne raterez pas la pub. Il y aura vraiment des flyers un peu partout aussi, ici à Bruxelles. Ouais. Donc, mais je tiens quand même à le dire déjà, c'est le 31 janvier, Halle de Schaerbeek, 20h. Je suis en première partie d'un grand groupe international qui va arriver pour chanter ici en Belgique. Mmh. Et voilà quoi, donc ça sera un peu mon premier gros show ici en Belgique. Pour toutes les filles qui nous regardent. Sans compter que j'ai fait les Louise Galeries l'année passée, il y avait un grand show avec Jesse Matador. Et ah ouais, je vois, voilà. Ouais. J'ai aussi participer à ce show, mais comme je dis, je n'avais que 15 minutes, donc je n'ai pas eu le temps de vraiment m'exprimer. Ouais. Et là, ça sera quand même quelque chose de plus percutant. Pour toutes les filles qui nous regardent, êtes-vous célibataire en moi ou pas? Mon état civil, ça dépend. Ça dépend? Non, je... tu peux cacher le morceau, c'est pas grave. Je ne parle jamais de mon état civil en... À l'aise. En télévision. À l'aise. Bon, ça a été Pacha Bye avec BMM Interview. Je sais pas si tu as le mot de la fin pour tes fans. Ben, mot de la fin, c'est juste dire merci d'abord à BMM Interview pour l'accueil. Pas de soucis. Et je peux vous rassurer, on est super bien ici. Si. Et voilà, donc pour mes fans, je dis tout simplement restez zen, peace and love pour 2013 et bonne année encore. Le contact de Pacha Bye, c'est sur... Ouais, vous pouvez m'avoir sur... Il y a mon site internet qui pour l'instant il est fermé. Ouais. Mais sur mon Facebook, il y a toutes les façons Pacha Bye, sur ma page officielle Pacha Bye. Ouais. Vous pouvez avoir des contacts anytime. Il suffit de taper Pacha Bye sur Google ou partout où vous voulez. P-A-T-S-H-A-B-A-Y. Vous êtes servi.